Je m'appelle Abbé Patrice Maniakiza, directeur du service diocésain pour l'apostolat de la Bible. Je suis un prêtre diocésain du diocèse catholique de Muyinga, dans le pays du Burundi. Le service diocésain pour l'apostolat de la Bible est l'un des services du bureau pastoral du diocèse catholique de Muyinga. Ce service est né en 2014 avec pour objectif aider le peuple de Dieu à faire connaissance de la parole de Dieu consignée dans la Bible. Nous avons fait, premièrement, comme activité, la sensibilisation des fidèles à la chant de la parole de Dieu, c'est-à-dire de la Bible, mais aussi la formation des fidèles sur l'importance de la parole de Dieu. Nous avons aussi fait la formation de ces fidèles sur les méthodes de la lecture et du partage de la parole de Dieu en groupe. Pour arriver à cela, nous avons dû créer des groupes bibliques dans toutes les paroisses du diocèse catholique de Muyinga, mais aussi dans les écoles. Nous avons aussi créé des clubs bibliques des enfants pour aider les enfants à apprendre la parole de Dieu par les chants et par les dessins. Les activités des groupes bibliques ont beaucoup contribué à la connaissance de la parole de Dieu, surtout à la familiarité avec la Bible. Nous organisons des moments importants au sein de notre service, mais aussi de notre diocèse. C'est en premier lieu tout le mois de juin qui est dédié à la Bible. Mais aussi, nous célébrons le dimanche de la parole de Dieu. Nous fêtons aussi le 30 septembre, qui est la fête de Saint-Jérôme, patron des groupes bibliques. Pour faciliter ceux qui veulent acheter les Bibles, nous avons constitué un petit stock au sein de notre bureau. Mais malheureusement, le stock s'épuise rapidement. Le dimanche de la Bible, nous distribuons des livres bibliques aux enfants, membres des clubs bibliques des enfants. Une autre spécialité de la célébration du dimanche de la Bible, nous procédons comme nous le faisons le jour du Saint-Sacrement, c'est-à-dire que nous faisons la procession de la parole de Dieu. Pour atteindre tout le monde, nous avons pensé à un public postage comprenant la lecture du jour, le saint du jour, quelques versets de la parole de Dieu du jour et l'image correspondante. Nous avons créé ce que nous avons appelé Weekend Bible pour aider les fidèles participants à faire connaissance de quelques notions bibliques. Le problème que nous avons est que nous n'avons pas encore des personnes formées pour enseigner dans le cadre de Weekend Bible. Comptant sur le soutien de l'un et de chacun, nous comptons créer un centre biblique dans la ville.